Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur WWE Supercard pour un nouveau mercredi sauvage. Oui. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur Supercard et j'en profite pour ce mercredi sauvage après avoir passé le niveau WrestleMania 36 que vous avez probablement vu ou pas, je ne sais pas. Si vous ne l'avez pas vu, de toute façon, c'est sur ma chaîne, c'est disponible. Ensuite, après avoir réussi les produits sauvages, que nous allons récolter les récompenses. Bon, j'ai perdu, mais c'est pas grave, j'ai quasiment rempli l'objectif. Là, je m'en fiche de gagner ou perdre. Le seul objectif qui me reste, c'est de réinitialiser le tableau de draft. Deuxième à Elsabis, c'est bon. J'en étais sûr. Bon, victoire quand même. Bon, Ronny savait que c'est bon. Oh, vous l'avez pris en avant-garde. J'aimerais trop avoir fait 4 de Gary Pli. Elle est belle physiquement. La carte de Gary Pli. Surtout en avant-garde. J'ai obtenu une Becky Lynch Pro. Ah bah c'est bon. J'ai fini le mercredi sauvage. Donc comme je vous disais avant que ça se réinitialise, j'ai obtenu une Becky Lynch Pro en avant-garde. Je pense que je vais essayer de la faire pro. Passer en pro. Ouh, très intéressant. Le Fiend, ça me pas très bien. Ça me bat très bien aussi. Les 1300 crédits. 15 crédits. Ça, c'est cool. Les récompenses dans 3, 2, 1. Aleister Black, ça me va. Tucker. C'est pas mal, Mustafa Ali, c'est pas mal. Voilà, c'est des belles cartes. Bon, j'avoue, Mustafa Ali, je sais pas si je vais l'utiliser franchement.
Cela dit, je crois que c'est une pro. Hein. On va vérifier ça ensemble. Combinable. Oui, c'est une pro. C'est une pro. Bon, bah. Il n'y aura plus qu'à travailler tout ça. Voilà toutes les pros que j'ai à travailler. C'est beaucoup. 90 cartes pro à travailler. C'est énorme, dont deux, dont trois au moins qui vont passer. Et encore, je sais même pas si c'est encore utile de faire les cartes, bon, les toutes ces cartes là à partir de WrestleMania 36. 35, pardon, je ne pense pas que ça soit utile. Enfin, en dessous de WrestleMania 35, je ne pense pas que ça soit utile. Mais pour les autres, par contre, je vais m'amuser. Bon, pour vous dire, Ripley, j'ai une technique. Voilà, ça va durer 3 jours. Bon, la Becky Lynch, je pense que je vais faire travailler cette carte. Je vais la faire travailler, mais pas tout de suite. Attendez que je calcule bien. J'aurai une carte. Ouais, j'aurai une carte dans 2 jours, une carte amélioration, donc ouais, je peux me permettre à la limite. Quelles sont les cartes que je peux améliorer? J'ai pas mal de cartes d'amélioration aussi.
Ok. Je vois jusqu'à combien de cartes je peux consommer. Pour ricochet, c'est bon. Enfin, le premier ricochet. Ensuite, tout ce qui est amélioration. Allez, on voit tout. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il n'y a rien à vous montrer. Ah si, les nouvelles cartes. Sami Zayn et Asuka qui sont intéressants. Je vais essayer d'obtenir, si je suis régulier, je vais essayer d'obtenir Asuka. Voir Sami Zayn. Parce que j'ai pas beaucoup de cartes de Sami Zayn. Si je peux en obtenir une carte, ça serait cool. Pour mon deck. Pour la collection. Ensuite, Drew McIntyre, c'est bon. Bobby Fish, ça devrait être bon. Chameuse contre Twi pour like. Encore Chameuse. Cette fois contre Sting.
Voilà, j'ai largement le temps d'obtenir cette carte. 21 jours. Ces cartes, faut surtout pas les faire parce que vous pouvez tomber sur des cartes du genre Wargames TSC ou Royal Rumble. Faut surtout pas faire, les amis. Cela dit, c'est quand même cool pour la collection. J'ai obtenu une pro de Kofi Kingston. Donc c'est quand même cool d'obtenir ces cartes Money in the Bank, mais faudrait en avoir, mais pour notre niveau. J'ai des cartes qu'on n'a jamais pu avoir. Voilà. Bon, je pense que c'est tout pour Supercard. C'est tout ce que j'ai à vous montrer en fait. Prenez soin de vous les amis, c'était en tant que sur WWE Supercard. Salut tout le monde, à la prochaine.